Bonjour à tous et bienvenue dans YouTube News, le JT parodique de YouTube. Générique. Le youtubeur Doc7 n'aurait plus que 5 vies, il en aurait en effet perdu 2, la première en 1996 alors qu'il a manqué de s'étouffer avec un miel pops, et la seconde hier soir lorsqu'il a été frappé par la foudre alors qu'il rédigeait une vidéo intitulée « 7 faits surprenants sur l'orage ». C'est plutôt lui qui a été surpris. Nous vous rappelons que Doc7 est né avec 7 vies, un cadeau du dieu égyptien Seth, en collaboration avec les 7 nains de Blanche-Neige. Micode, le youtubeur high-tech, travaillerait pour les renseignements généraux, c'est en tout cas ce qu'affirme un rapport fictif publié par le Canard Enchaîné ce matin. Le jeune youtubeur aurait en effet été contacté par le président de la République française pour espionner les autres youtubeurs par le biais de logiciels ultra sophistiqués de son invention. Il disposerait d'un budget illimité, mais pas trop quand même, selon un enregistrement fictif dont nous tairons la source. Source qui d'ailleurs ne serait autre que la mère de Micode elle-même qui aurait surpris son fils en pleine négociation avec le gouvernement entre deux bidouillages de Raspberry. Et ça n'a rien à voir avec les framboises. Le joueur du grenier descend d'un étage et devient le joueur du salon. C'est à la suite d'une réflexion intense avec Sébastien Racia, son compère de toujours, que le duo de testeurs de jeux pourris a décidé de repenser complètement l'émission qui a fait son succès. La principale raison de ce changement étant liée à une tuile cassée qui laisserait rentrer de la flotte dans le grenier, selon l'ex-joueur de cette pièce sombre et humide. Fabien Olicard est au lit car il a la grippe, pas de panique, il continue les vidéos, la prochaine sera d'ailleurs une commande du gouvernement, le président de la République l'a en effet chargé de mentaliser l'ensemble du personnel de la SNCF pour qu'il cesse immédiatement cette grève qui ne fait chier que les usagers, selon les usagers. Nota Bene se lance dans l'agroalimentaire avec la création d'une marque de donuts haut de gamme, son nom Nota Beignet. Les donuts historiques aux saveurs envoûtantes qui font voyager à travers les siècles vos papilles. J'ai personnellement une petite préférence pour le beignet Louis XVI, dommage qu'il en manque un morceau, et je trouve également le Jeanne d'Arc un poil trop cuit. Superflame fait son retour dans le journal parodique, il espère que cela vous plaît, vous invite à lâcher un like, à commenter et partager cette vidéo, il vous fait un gros bisou. Et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est déjà fait. Le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas. Si vous voulez me soutenir financièrement et gratuitement, il vous suffit de vous rendre sur mon Utip, le lien est dans la description. A bientôt pour de nouvelles aventures audiovisuelles.